Alors Norris parle un peu de sa course. Il évoque notamment l'erreur stratégique de McLaren, qui a fait un peu comme Mercedes finalement, en début de course. Je pense qu'il est clair que nous avons pris la mauvaise décision. Nous avons pris une mauvaise décision, c'est quelque chose que nous voulons tous revoir, dont nous parlons et dont nous discutons parce que nous avons pris deux ou trois mauvaises décisions cette saison. Nous avons perdu trop de positions et perdu beaucoup de points tout au long de l'année avec quelques-unes de ces choses-là, ces mauvaises décisions donc. La deuxième partie de la course, nous nous sommes rattrapés. Pas rattrapés, mais nous avons pris de bonnes décisions. Nous avons été parmi les premiers à boxer. Nous avons gagné du temps. Nous avons gagné une position sur Georges. Des choses comme ça. La première fois, c'était juste pas terrible. Alors, par rapport à Sochi 2021, ça change. Je pense qu'il y a eu plein de fois où nous avons pris la bonne décision. Une bonne décision où nous avons gagné, en général. Vous vous souvenez de plus de celles sur lesquelles vous perdez des positions que celles sur lesquelles vous gagnez des positions. Je pense pas que ce soit vraiment la même chose. Je pense que c'est très différent. Je pense que nous avons fait de bons pas et de bons progrès dans beaucoup de domaines. Un jour comme aujourd'hui, il était évident que nous étions loin d'être là où nous devons être. Par rapport à son duel face à Russell, les voitures sont tellement pointues, tu les touches un peu, c'est comme si tu avais quatre crevaisons d'un coup. C'est juste une bonne course, c'était serré. Nous étions roue contre roue, je me sens mal pour lui d'être sorti de cette façon, mais je n'aurais rien dû faire de différent. Alors, à noter qu'il n'a pas été pénalisé pour ça d'ailleurs, Norris. Les commissaires ont dû conclure que c'était un incident de course, on va dire. Bon, pourquoi pas. Je vous laisse commenter donc les prestations de McLaren, hein, qui s'est un peu moins élevées que d'habitude sur ce circuit. Même Alpine a repris des points, donc attention quand même.